Dans cette vidéo, on va parler de la stéréochimie du diène et du diénophile, ainsi que des approches et produits endo et exo pour la réaction de Diethalder. On va commencer par cet exemple ici, et on va d'abord déterminer le produit de la réaction sans les aspects stéréochimiques. On a donc ici un diène, qui est un diène cyclique, le cyclopentadiène, qui va réagir avec ce diénophile ici, où on a donc une double liaison carbone-carbone avec deux substituants groupe aldéhyde sur chacun des deux carbones ici. Au cours de la réaction, je vais avoir mouvement concerté des 6 électrons pour pouvoir former mon produit, avec ces électrons ici en violet pour former cette liaison, ici en orange pour former cette liaison, et enfin ces électrons que je mets en bleu pour obtenir la double liaison. J'obtiens comme produit au final un cycle à 6 atomes de carbone avec une double liaison, les deux substituants groupe aldéhyde que je vais noter CHO pour plus de simplicité sur ces deux carbones ici, et le pont CH2 qui provient du fait que le diène était cyclique au départ. Et si je garde mes codes couleurs, je retrouve ces électrons violets ici, les électrons oranges impliqués dans cette liaison et les électrons bleus ici. Les questions qu'on peut se poser d'un point de vue stéréochimique sur les résultats de cette réaction, c'est d'une part, quelle est l'orientation de ces groupes CHO dans l'espace par rapport au cycle, est-ce qu'ils vont pointer plutôt vers le haut ou vers le bas, et également, par rapport au pont CH2, est-ce que ces groupements CHO vont être pointant du même côté ou d'un côté opposé? Pour répondre à ces questions, on va voir ce qui se passe avec le modèle moléculaire. J'ai donc redessiné ici mes deux réactifs avec la photo des modèles moléculaires correspondants ici. Donc au cours de la réaction, on sait qu'on va pouvoir créer une liaison carbone-carbone entre ces deux atomes ici, qu'on retrouve sur le produit final ici, et une liaison carbone-carbone entre ces deux atomes ici. Je respecte le code couleur que j'avais juste au-dessus. On a donc ces quatre atomes de carbone ici qui sont au départ hybridés en sp2 et qui vont se retrouver hybridés en sp3 dans le produit final. Et on va commencer par s'intéresser au diène. Au niveau du diène, on voit qu'on a le substituant CH2 ici, qui est un substituant intérieur par rapport aux deux doubles liaisons. Et on a vu dans la vidéo précédente que dans ce cas, le substituant se retrouve pointant vers le haut dans le produit final. C'est effectivement ce qu'on retrouve sur le modèle moléculaire avec ce groupe CH2 ici qui se retrouve pointant vers le haut si je regarde mon produit dans cet axe. En ce qui concerne le diénophile, si je divise le diénophile en deux zones par rapport à la double liaison, je vois que mes deux groupements CHO sont du même côté et sont tous les deux du côté droit. Je les retrouve bien sur le modèle moléculaire par ces deux grosses boules rouges ici. On a vu dans la vidéo sur la stéréochimie du diénophile que si on était du côté droit, alors dans le produit final, on allait se retrouver pointant vers le haut. Et c'est effectivement ce qu'on observe sur le modèle moléculaire. Les deux hydrogènes qui sont du côté gauche de la double liaison ici se retrouvent eux pointant vers le bas dans le produit final. Si je dessine mon produit final bicyclique, j'obtiens donc mon cycle à 6 atomes de carbone avec la double liaison, les groupements CHO qui vont donc pointer vers le haut et les hydrogènes de ces carbones vers le bas et le pont CH2 vers le haut également. Et pour ce produit, on remarque que les deux groupes CHO pointent du même côté que le pont CH2 et on appelle ce produit le produit exo qui est issu de l'approche exo, approche pour laquelle les deux substituants du diénophile sont les plus éloignés du diène. C'est ce qu'on voit également sur le modèle moléculaire ici, avec les deux boules rouges qui sont éloignées du diène. Voyons ce qui se passe maintenant si on retourne le diénophile et qu'on a cette approche ici. Donc approche pour laquelle, cette fois-ci, les deux substituants du diénophile, qui sont représentés par les boules rouges sur le modèle moléculaire, donc les deux groupes CHO, sont proches du diène au cours de l'approche dans l'espace. De la même manière que tout à l'heure, on va avoir formation de liaison carbone-carbone entre ces deux carbones et carbone-carbone ici. Au niveau du pont CH2, j'ai toujours des substituants vers l'intérieur, donc je retrouve mon pont CH2 pointant vers le haut dans le produit final. Et cette fois-ci, pour le diénophile, si je divise en deux zones, j'ai les deux groupes CHO qui sont situés sur la gauche, je les retrouve sur mon modèle moléculaire ici, et dans ce cas, ils vont donc se retrouver pointant vers le bas dans le produit final. Et les deux hydrogènes qu'on a cette fois-ci sur la droite se retrouvent, eux, pointant vers le haut. Donc si je dessine mon produit, j'obtiens donc mon cycle à 6 atomes de carbone avec ma double liaison. Cette fois-ci, les groupements CHO vont pointer vers le bas et les hydrogènes vers le haut sur ces deux carbones. Et le pont CH2, lui, est toujours vers le haut. Et on appelle ce produit le produit endo, qui est issu de l'approche endo des deux réactifs, approche pour laquelle, cette fois-ci, les deux substituants du diénophile sont le plus proche du diène. C'est ce qu'on voit bien au niveau du modèle moléculaire ici.
Donc, en fonction du type de l'approche, si on a une approche endo ou exo, on va obtenir deux produits différents. Et forcément, tu vas te demander quel est le produit qui va être majoritaire. Eh bien, le produit majoritaire, c'est le produit endo. Et cela s'explique par le fait qu'on va avoir, au cours de l'approche, des interactions entre les deux groupements carbonyles ici, les deux groupements CHO, et la double liaison en cours de formation, que je vais mettre en pointillé bleu ici, entre ces deux atomes de carbone. Et ces interactions vont permettre de stabiliser l'approche et vont rendre donc cette approche plus probable et plus favorable. Le fait qu'on obtienne le produit endo de façon majoritaire, c'est ce qu'on appelle tout simplement la règle de l'endo. Si je regarde au niveau de l'approche exo, je vois que mes groupements CHO sont éloignés de cette double liaison naissante au niveau du DN et donc on ne va pas avoir d'interactions stabilisantes qui vont pouvoir se mettre en place, ce qui explique le fait que le produit en endo et l'approche en endo soient favorisés. On va voir un autre exemple avec un DN qui n'est pas cyclique. Donc on part de ce DN conjugué ici avec deux substituants méthyl sur les doubles liaisons et le dienophile avec un groupement CHO, attracteur d'électrons, substituant de la double liaison ici. Donc dans un premier temps, on va déterminer le produit de la réaction. On va donc avoir les mouvements d'électrons concertés suivants avec ces électrons qui vont former cette liaison, ceci, cette liaison et les électrons bleus ici pour la double liaison. J'obtiens donc comme produit final un cycle à 6 atomes de carbone avec une double liaison ici, un groupement CHO sur ce carbone et les deux groupements méthyl ici. Voilà comment on peut écrire le produit si on ne prend pas en compte les aspects stéréochimiques. Et si je garde mon code couleur, je retrouve les électrons en violet ici, les électrons orange ici et les électrons en bleu ici. Intéressons-nous maintenant aux aspects stéréochimiques. Déjà, dans un premier temps, je vois que tel que j'ai dessiné l'approche ici, j'ai l'approche exo, puisque j'ai le substituant ici groupe CHO qui est éloigné du DN, donc ce n'est pas l'approche qui va être la plus favorable et qui va me donner le produit majoritaire. Donc je vais m'intéresser aux aspects stéréochimiques uniquement dans le cas d'une approche en endo, comme je l'ai dessiné ici. Donc au cours du mécanisme, on sait qu'on va créer une liaison carbone-carbone entre ces deux atomes de carbone ici, que je retrouve sur le produit final, et une liaison carbone-carbone entre ces deux carbones ici, que je retrouve sur mon produit final ici. Je vais commencer par m'intéresser à la stéréochimie du DN. Donc au niveau du DN, j'ai deux doubles liaisons qui sont en configuration E, avec comme substituant intérieur deux atomes d'hydrogène, que je vais entourer en bleu ciel comme ceci, qu'on retrouve ici sur le modèle moléculaire, et qui vont donc se retrouver pointant vers le haut sur le produit final, et pointant vers moi si je regarde le produit selon cet axe. Les deux substituants méthyl sont des substituants extérieurs, je les retrouve ici sur le modèle moléculaire, et ils vont se retrouver pointant vers le bas au niveau de ces carbones sur le produit final. En ce qui concerne le dienophile, je divise en deux zones autour de ma double liaison, et je vois que mon groupe CHO, que j'entoure en rouge ici, est situé du côté gauche, puisqu'on a l'approche en endo. Et je sais que tout ce qui va se trouver du côté gauche va se retrouver pointant vers le bas dans mon produit final. Je retrouve bien mon groupe CHO ici symbolisé par une boule rouge, et je le vois derrière ici qui pointe vers le bas sur ce carbone. Donc le produit que j'obtiens, c'est mon cycle à 6 atomes de carbone avec ma double liaison, avec sur les carbones ici les groupes méthyl qui vont pointer vers le bas et les hydrogènes vers le haut, et sur ce carbone ici le groupe CHO qui va pointer vers le bas. Qu'est-ce qui se passe si je garde une approche endo, mais que cette fois-ci je retourne mon dienophile? Donc j'ai cette fois-ci le groupe CHO sur le carbone du bas. Donc de la même façon sur le modèle moléculaire, je vois les liaisons que je vais créer entre les atomes de carbone pour former mon cycle. Au niveau du DN, ça ne change pas, j'ai toujours mes hydrogènes à l'intérieur que je retrouve ici, qui vont donc pointer vers le haut sur le produit final, et mes groupes méthyl qui sont extérieurs, qui vont pointer vers le bas sur mon produit final, si je regarde le produit selon cet axe. En ce qui concerne le dienophile, je divise en deux zones, et cette fois-ci c'est sur le carbone du bas que je vais trouver mon groupe CHO, symbolisé par cette boule rouge ici, qui va donc se retrouver pointant vers le bas sur le produit final. J'obtiens donc comme produit final mon cycle à 6 atomes de carbone avec ma double liaison. Sur ces carbones, toujours les méthyls qui pointent vers le bas et l'hydrogène vers le haut. Et par contre ici, on va avoir un groupe CHO sur ce carbone ici en bas qui pointe vers le dessous du plan. Ces deux produits sont différents et ne sont pas superposables, et ils sont images l'un de l'autre dans un miroir, et ce sont donc des énantiomères.